Bonjour tout le monde. On va, on va commencer ce tout premier webinaire pour la lancer. Alors, bonjour Ramon et Louis Rodrigue. Je suis chef de projet pour M3600, mais plus spécifiquement pour le projet l'initiative de la lancée. <laughs> Pardon. Il nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de, de vous accueillir à notre tout premier webinaire. d'ailleurs... C'est plus que 270 inscriptions. Donc, euh, merci d'avoir pris du temps de, de votre heure de dîner pour être avec nous. On a une super, des super panélistes qui ont participé, donc on est vraiment contents. Euh, <coughs> La lancée a comme engagement de contribuer de manière durable à l'avancement des filles et des femmes dans le sport, l'activité physique et le plein air au Québec. C'est initiative de m 365 qui est rendue possible par le gouvernement du Québec pour euh, avancer dans ce super projet. On a deux partenaires experts avec nous que sont Égale Action et Féactif. Donc, merci d'être avec nous depuis le début. Euh, tous les jours, notre réseau d'alliés grandit, de collaborateurs. Puis on espère que vous aussi, avec ce webinaire, avec votre participation aujourd'hui, vous allez avoir le goût de vous impliquer, de faire une action à votre portée, puis faire une différence. Euh, je vous laisse entre les mains de notre animatrice, l'aventurière, conférencière, Bélier que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu euh, lors de notre première édition du Grand Rassemblement de la lancée, l'élan, qui a lieu au printemps dernier. Donc, merci Annabelle d'être avec nous et je te laisse la parole. Ilan. Merci beaucoup Louis, merci pour la présentation. Euh, ben, je vous J'accueille tout le monde dans ce super webinaire-là où on va se poser la question comment on favorise le leadership des femmes dans le sport, le plein air, l'activité physique. Euh, J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à nos trois panélistes, Marinette Pichon, Alexandre Quénol et Roxane Larouche. Avant de se lancer dans le sujet, j'aimerais d'abord vous donner quelques petites consignes pour le déroulement de, du webinaire. Enfin, on va être ensemble pour 60 minutes et je vous demanderai d'attendre à la fin, en fait, de garder vos questions en tête puisqu'à la fin, on va avoir un temps tous ensemble pour poser les questions qui auront émergé pendant la rencontre à nos trois panélistes. Et pour ceux qui se posent la question, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez l'écouter en rediffusion si ça vous dit. Et si jamais il y a quelques pépins techniques là, durant la rencontre, il y a juste Justine Frigon qui est là, euh, vous pourrez lui poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je propose qu'on présente rapidement tout le monde nos petits parcours avec une ligne du temps. Euh, ça va nous permettre ben, de nous présenter chacun. Donc, je commence, vous voyez sur ma première photo, euh, une photo en haut du mont Washington parce que moi, tout jeune, j'ai eu cette envie-là de me dépasser, de sortir de ma zone de confort. Au départ, euh, je ne me sentais pas tout à fait à ma place là, dans le sport et le plein air, euh, le milieu de l'aventure. En enfin, fait, moi, je pas une athlète de haut niveau qui était dans la performance, mais vous voyez sur la deuxième photo, à l'âge de huit ans, j'ai vécu un moment tournant euh, dans ma vie parce que mon père m'a proposé de traverser l'Île-du-Prince-Édouard à vélo. Au départ, j'étais persuadée que j'allais jamais être capable de faire ça. Puis finalement, je me suis rendue aux Îles-de-la Madeleine. Vous voyez, je suis à 4 km sur la photo. Puis ça, pour moi, ça aurait été. Euh, une entrée vers le monde de l'aventure, vers l'envie de dépassement, mais aussi de réaliser que moi aussi, j'étais capable de me lancer dans toutes sortes de projets. Ce qui fait que des années plus tard, sur la troisième photo, vous me voyez avec mon équipe parce que je me suis lancée dans, dans une grande aventure, la grande traversée. Un triathlon revisité de 1350 km de Sherbrooke jusqu'aux îles à Madeleine, tout ça à vélo, à pied et à bord d'un bateau à rame océanique. Et dans ce projet-là, j'ai pu développer, je crois, des compétences de leader comme de réunir les troupes, de créer une cohésion d'équipe aussi, puis évidemment de développer ma capacité d'adaptation pendant cette, ce périple-là. Puis maintenant, bien, je continue mes études en psychologie organisationnelle. Je m'intéresse d'ailleurs à ce sujet-là, le leadership. Donc, je suis super contente qu'on puisse en, en discuter aujourd'hui. Puis, j'offre aussi des conférences pour inviter et inspirer les gens à eux aussi rêver grand parce que moi, c'est grâce au modèle que j'ai eu que j'ai osé me lancer dans cette, cette aventure-là. Donc, voilà mon parcours. Je vais inviter les panélistes à faire de même. On va commencer avec Marinette, ensuite Alexandre et Roxane. Ben écoutez, merci. merci Annabelle pour la belle passe du pied. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ce moment avec vous et puis avec Roxane et, et, et Alex. Euh, alors comment moi je suis venue de participante à LEADER C'est très simple. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, l'âge euh, voilà, où on cherche un peu la, la pratique, le sport, ce qu'on aimerait faire. Et puis j'ai atterri au bord d'un terrain où il n'y avait que des garçons. Euh, mais ça ne m'a pas empêché euh, d'avoir envie de les rejoindre sur le terrain. J'ai eu la chance de rencontrer un éducateur qui était vraiment adorable et qui m'a tendu, euh, tendu la main. Et à ce moment-là, bah, j'ai pu commencer ma première expérience en tant que participant aux côtés de, de garçons uniquement. Euh, et là, j'avais 5 ans. Euh, sur la deuxième photo, on me voit euh, plus migrer sur le rôle de leader avec euh, euh, la chance de pouvoir porter la tunique euh, de l'équipe de France. Euh, euh, pendant plus de 14 années. Et là, on était en opposition face à, à... aux Pays-Bas. Et puis, euh, ben, on, voit, on voit dans mon attitude que je commence à prendre la possession du ballon, à m'orienter et à orienter le, genre, euh, le jeu vis-à-vis -vis de, de mes collègues. Et, et tout à petit et tout doucement, ben, je suis devenue euh, le, 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 le leader. Et puis, ça s'est confirmé, parce que c'était plutôt un, un leadership naturel quand j'étais en équipe de France, mais ça s'est affirmé être un leadership euh, vraiment euh, technique et, et en dehors du, du, du terrain. Quand j'ai signé mon contrat professionnel aux États-Unis, où j'ai eu la chance d'évoluer sous les couleurs de Philadelphie euh, euh, pendant plus de trois saisons, et là, je me suis imposée comme étant une, euh, une leader. Euh, au naturel, euh, rassembler, être capable d'aller chercher le meilleur et le plein potentiel de, de mes coéquipières, ça je je savais faire. Et puis euh, grâce au sport, euh, il y a eu tout ce cheminement de participante à leader et à, grâce à sport, ben, ce leadership je peux aussi l'appliquer aujourd'hui dans le cadre de ma mission euh, au sein de, de l'association euh, soccer mineur de la salle où je suis la directrice générale et là on voit la signature avec mon président qui porte une chemise blanche avec un partenaire majeur pour un, un montant de 100 000 Donc, euh, ce leadership m'a aidé euh, euh, sur le terrain et m'aide encore aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marinette. On peut passer à Alexandre. Donc euh, bonjour à tous, euh, ben, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et plaisir euh, euh, aussi de me présenter après Marinette qui est, qui est un peu une une, une dolle pour moi parce qu'elle a dominé le sport qui m'a donné beaucoup en fait euh, donc vous voyez à l'époque euh, bon j'avais rien d'un sportif c'était mon côté un petit plus artiste avec mon ma petite veste euh, euh, ma petite veste avec des chiens euh, en fait, ben, je suis tombé en amour euh, du sport. En fait, je faisais beaucoup trop de choses. J'étais beaucoup trop excité quand j'étais jeune. Euh, mon père m'a mis dans le soccer parce que étant de nature, euh, étant originaire d'Haïti, c'est ce qu'il connaissait. Euh, mais je pourrais très bien être avec vous euh, dans mes premières années. Je courais plus vite que le ballon. Euh, en fait, j'aimais juste courir. Euh, mais mon, mon père était juste content que je, je, ne, je, je ne collectionne pas les pissenlits. Donc ça veut dire que je, moi, je dépensais, je dépensais de l'énergie. Euh, de fil en aiguille, euh, je veux dire, j'ai. Euh, j'ai commencé à jouer à ce sport-là. J'ai toujours été un joueur qui travaillait beaucoup. J'ai pu grimper les échelons un peu euh, sur le temps, mais je, je suis une personne qui met beaucoup d'efforts dans ce que je fais. Euh, et puis euh, rapidement, je suis devenu un entraîneur. Euh, je, peux, je peux me rappeler, ma, la première fois que j'étais un en entraîneur, là, c'était dans mon école secondaire. J'étais en secondaire 3 euh, et je devais coacher des, des gars de 4 et 5 qui étaient plus vieux que moi. Et puis, euh, je me rappelle, j'ai encore la feuille. Euh, j'ai encore ma feuille de, de match là, donc une première victoire en plus au basket parce que j'étais un joueur de basket aussi. Euh, et puis c'est là que j'ai pu avoir que j'avais un peu le leadership et euh, j'avais un côté de rassembleur. Euh, et bon, moi, je pensais que j'allais être un coach masculin, euh, voilà, parce que déjà pour les, les gars, on disait que j'étais dur et tout ça. Et puis j'ai eu une opportunité de prendre un groupe euh, féminin. Euh, J'en ai jamais cru. Puis pour moi, je me suis dit, est-ce que je vais être trop dur aussi ou ça? Mais avant, je me qualifiais quand même un entraîneur, voilà, correct d'ailleurs, correct, je, me, je dirais ça comme ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de prendre un groupe euh, de, de jeunes femmes euh, au Collège Aval euh, il y a huit ans et, et de manière très honnête, c'est ce qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Euh, ma carrière euh, a pris un autre niveau quand j'ai commencé à, 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 co à coacher euh, des jeunes femmes. Euh, ça m'a permis d'atteindre les plus hauts niveaux. Euh, J'ai eu la, sur la photo, on voit que je suis assistant euh, adjoint pour l'équipe nationale de futsal universitaire canadienne. Euh, J'ai même eu la chance d'être sélectionneur de l'équipe nationale de futsal euh, haïtienne. Et euh, j'ai fait saison au Collège aval euh, où j'ai pu avoir cinq championnats avec au niveau juvénile, euh, donc au niveau sur les et 5 avec des femmes. Aujourd'hui, je suis entraîneur-chef de l'équipe euh, des Nomades de Montmorency euh, au niveau euh, féminin également. Et euh, un truc qui a fait en sorte que je me suis fait connaître, par un peu, par euh, un peu en devoir à, à être dans une position euh, privilégiée en étant un homme dans le sport. Eh j'ai créé un événement qui s'appelle Elle et Sport qui met à l'avant-plan la place de la femme dans le monde des affaires et du sport que j'ai la chance d'inviter plusieurs euh, idoles féminines comme Marinette qui est passée par là ou euh, que ça soit Catherine Reich, Isabelle Charret, euh, que ça soit Manon Simard, bref, plusieurs femmes et euh, Anne Larouche, euh, puis que c'est un événement qui nous permet de mettre ces femmes en lumière et aider euh, des jeunes femmes et des jeunes hommes et un peu tout le monde à s'inspirer et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui euh, je pense qu'on moins je pense qu'on m'a appelé euh, pour pouvoir être sur ce panel, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. On va terminer avec Roxane. Bonjour tout le monde, mon nom est Roxane Larouche. Je suis vraiment très, très excitée, enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui, avec Alexandre et Marinette. Écoutez-moi, souvent on demande aux gens qu'est-ce que, tu où tu te vois dans cinq ans, où tu te vois dans dix ans. Moi, j'aime mieux dire qui, qui, qui je veux être. T'sais. Donc, en fait, très jeune, vous me voyez à l'âge de 14 ans. Euh, en fait, j'étais pas super bien dans mon corps, j'étais pas super bien dans, dans, dans ce que j'étais. Mais ce qui était sûr, par exemple, c'est que j'avais le feu sacré. J'ai toujours voulu, en fait, euh... Influencer mon environnement. J'ai toujours voulu faire des grandes choses. J'avais vraiment ça en dedans de moi. Puis j'ai compris rapidement, en fait, dans la vie que tout part de soi et tout part des décisions qu'on prend. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai rapidement compris que j'avais pas, euh, j'étais pas dans un état qui allait m'amener euh, vers la femme que je voulais être. Donc, j'ai pris la décision de me mettre en forme physiquement, mentalement. J'ai demandé à ma mère de, de m'aider à trouver des ressources. Puis j'ai compris très, très vite que tout partait d'une décision. Puis j'ai pris beaucoup de décisions comme ça dans ma vie, puis c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, euh, euh, donc à niveau, au niveau 14 ans, ensuite, euh, on voit la deuxième photo. Euh, j'ai commencé ma carrière comme intervenante psychosociale parce que en fait je voulais justement impacter les gens influencer les gens je voulais les aider euh, à se développer je voulais qu'ils soient des meilleures personnes tout ça donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et ma sœur a été un modèle pour moi super inspirant et c'est elle qui à l'âge de 20 ans m'a dit Roxane euh, je veux t'amener faire une formation en fait un événement un week-end de développement personnel. Et pour moi, ça a été la base. Pour moi, la base du leadership, c'est de se responsabiliser, c'est de se connaître, c'est de se prendre en charge, c'est de se comprendre. Et à partir de 20 ans, c'est ce que j'ai fait vraiment, vraiment euh, activement. Ensuite, la troisième photo, vous voyez moi et mes garçons. Donc, troisième euh, décision importante que j'ai prise dans ma vie parce que je voulais justement reprendre le contrôle de ma vie, euh, faire des choix qui m'appartenaient, avoir un impact à travers mes propres réalisations. Donc, j'ai décidé de poursuivre ma route seule avec euh, mes deux euh, garçons. Et c'est comme ça en fait que j'ai développé tout mon côté entrepreneurial, euh, que j'ai commencé justement à prendre des décisions, à faire des projets, euh, à développer mon réseau, à, à, à donner de la formation, à faire de la consultation, faire du coaching euh, de façon plus euh, spécifique et intensive, mais ça a été vraiment une sortie de zone de confort assez intense, je vous dirais. Et finalement, on voit là, dans la quatrième photo euh, aujourd'hui euh, justement leader, puis c'est difficile pour moi de dire que... Euh, je suis une leader, en fait, là, je, je l'assume de plus en plus, mais pour moi, le leadership, c'est une question d'attitude, de comportement, d'influence, de décision. Fait que je pense que oui, je suis une leader. Et euh, en fait, je suis directrice associée chez ComplexX aujourd'hui. Euh, je développe les individus au cœur des organisations. Je développe le leadership des femmes, des hommes, des gens. Euh, je les amène à être des meilleures personnes, à atteindre leurs objectifs, peu importe où ils sont, qui ils sont, le rôle qu'ils ont. Donc, je suis extrêmement fière d'être avec vous euh, aujourd'hui pour. Euh, participer à ce webinaire. Merci à vous trois pour vos parcours super inspirants. Euh, maintenant, j'aimerais tout de suite sonder les auditeurs qui sont avec nous et vous poser la question, c'est quoi les ingrédients clés qui facilitent le leadership? Je vous invite à scanner dans l'écran, vous voyez un code QR ou encore dans le chat, il va y avoir un lien. Je vous invite à aller mettre quelques mots pour décrire, c'est quoi justement les ingrédients clés qui facilitent le leadership. Puis, je vais en profiter pour poser la question à nos panélistes pendant ce temps-là, puis on verra vos réponses un peu plus tard. Alors, nos panélistes, est-ce qu'il existe des conditions favorables pour faciliter le leadership au féminin? Et surtout, comment faire une différence pour les filles et les femmes qui sont autour de nous? Roxane, je te passe la parole. Merci, Annabelle. En fait, moi, j'aime dire, puis je pense que vous m'avez entendu là, en introduction. Pour moi, le leadership, Annabelle, ça n'a rien à voir avec ton rôle, ton statut, ton poste, euh, ton niveau hiérarchique. Pour moi, le leadership, c'est vraiment une question d'attitude, c'est vraiment une question de comportement, c'est une question de décision, de responsabilisation. Euh, c'est ça qui fait une différence, en fait. Euh, donc, pour moi, c'est important de démocratiser le leadership, vraiment de le rendre accessible au maximum de personnes. C'est comme ça qu'on peut influencer, c'est comme ça qu'on peut impacter euh, notre. Environnement, on peut avoir une un influence sur les résultats. Puis en fait, ce qui peut aussi être favorable, c'est l'entourage. Vous avez vu dans mon introduction, tu sais, les décisions que j'ai prises, les gens qui ont été importants dans ma vie, ma sœur, tu sais, des collègues, des mentors, tout ça. C'est super important d'être entouré de gens qui croient en nous, qui voient notre potentiel, qui sont là pour nous fournir des ressources, des outils. Euh, puis euh, je pense que plus jeune, on peut commencer à baigner là-dedans. Je pense que c'est là qu'on peut faire une grande différence. Merci, Roxane. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que c'est une, une, une affaire de tous. Bon, je pense que tout le monde doit être concerné. Euh, je pense que euh, j'aime bien faire un parallèle, un, un parallèle euh, euh, que, de, de, par exemple, des parents qui sont arrivés ici en Haïti en, en, en 1975, euh, ben, étant, étant afro-descendants. Euh, s'ils essaient de faire leurs propres affaires de côté, ça aurait pu être compliqué, parce qu'il y a des gens qui étaient en position privilégiée, c'est comme ça, je ne je, je me cache pas au niveau des, des, des mots, mais euh, il a fallu qu'il qu puisse y avoir des, des gens, des personnes, des caucasiens, qui ont pu ouvrir la porte pour, qu puisse, pour que je puisse être là aujourd'hui et qu que je puisse m'épanouir à titre de Québécois canadien. Donc, je fais le même parallèle au niveau euh, de, la, de, de la femme puis au niveau euh, des hommes. Donc, souvent, les hommes sont dans des positions euh, privilégiées euh, euh, malheureusement c'est comme ça qui fait en sorte que l'homme doit se sentir concerné pour pouvoir ouvrir la porte et pour pouvoir avoir donné des chances équitables du sens que ben, une femme et un homme se, se vaut il y a aucun il y a aucun problème c'est la compétence qu'on doit mettre à l'avant-plan et ça c'est parce que il faut qu'il y ait des gens tous tout la, 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 la question de, de, de du positionnement doit être une c'est une question sociétale où tout le monde doit être concerné donc c'est un peu pour ça que que, que je vois que euh, du moins à titre d'homme euh, il faut qu'on soit en mesure d'ouvrir la porte et euh, de pouvoir écouter avec les mêmes yeux qu'on attribuerait à un homme écouter avec les mêmes yeux ça c'était pas fort là mais je dis, écouter avec nos oreilles et voir avec les mêmes yeux moi je suis entièrement d'accord avec toi Alex sur le point et je pense que la complémentarité des deux personnalités masculines et féminines il fait beaucoup on a des compétences chez les femmes qu'on développe avec ce côté empathique dont on parlait la dernière fois euh, quand on s'est rencontré et, et je pense que quand on a les alliés comme, euh, comme euh, les masculins pour venir, les hommes pour venir nous accompagner sur leur expertise, c'est aussi d'être en capacité de se dire que les femmes, à travers leur, leur côté euh, très, très humain, qui euh, vont anticiper euh, les choses quand elles vont se positionner ou quand elles vont échanger sur une prise de décision, sur une conséquence ou autre, euh, peut être intéressant. Et je pense qu'en tant que femme, on pose, on pose une forme d'autorité mais une autorité qui est moins marquée que celle des, des hommes, je me par le naturel. Il y a un charisme, euh, des, des hommes souvent dégagent une, une certaine forme de charisme, et puis euh, tu as toujours malheureusement aussi ce côté genré qui revient. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à dissocier, qu'on parle juste de compétences. Le leader, le, le, le leadership, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas euh, un genre, c'est avant tout une personne. Et ben, si c'est euh, le sexe masculin, c'est le sexe masculin, si c'est le sexe féminin. C'est le sexe féminin. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à concevoir que ça, tout le monde, au final, peut développer un, po un potentiel pardon, sur le leadership. Merci beaucoup, Marinette. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience avec le soccer particulièrement. Est-ce que tu considères que la pratique d'un sport ou de l'activité physique, ça peut permettre de devenir euh, un ou une leader? C'est exactement ça. Moi, grâce au, grâce au, au sport et grâce au soccer notamment, je suis devenue un leader parce que c'était pour moi un, un moment où j'exultais, je, où je pouvais évacuer tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et puis, j'avais surtout le, le soutien et la bienveillance de tous mes mes, mes copains garçons. Donc, ils étaient là et j'avais cinq ans. Et ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et puis, au fur et à mesure… L'autorité dont je parlais juste avant, elle s'est posée naturellement, elle s'est faite, elle s'est développée de par la confiance qu'ils me faisaient, parce qu'ils avaient confiance en moi dans, dans les secteurs du jeu, puis en dehors. Et du coup, ben, ça m'a permis de m'émanciper euh, en tant que jeune, jeune fille et puis jeune adulte, et puis ensuite devenir ce, ce leader qu'on attend grâce au sport. Et puis, en fonction des différentes étapes que j'ai pu avoir dans ma carrière de, du club. Local à l'équipe de France, ben j'ai eu différents styles de leadership euh, qui m'ont servi. Il y a eu hein, du leadership juste technique, donc sur le terrain ou à travers mon talent, mes capacités de leader le, le, les, les copines. Et puis, il euh, y avait aussi, euh, par exemple, aux, aux États-Unis, où il y a eu le, le côté où j'étais vraiment bonne sur le terrain. Mais en parallèle, ben, j'avais ce côté euh, leader à, à rassembler, organiser des, des, des sorties, des fiestas, à préparer des euh, revues, euh, des, des soirées vidéo pour voir les matchs. Enfin, J'aimais, je pense que le, le leader en soi aime les gens, aime la relation qu'on fait avec les gens. Et, euh, et moi, le soccer m'a amené ça. C'est super intéressant de voir qu'une mmh. même activité, le soccer, a permis de développer toutes sortes de types de leadership. C'est vraiment un sport partage, merci. Roxane, mmh. j'aimerais te poser la question est-ce que selon toi, il y a une politique ou un élément du contexte culturel ou social qui devrait être changé pour favoriser l'avancement des, des filles et des femmes dans une position de, de leadership? Écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites là, mais comme je vous disais la dernière fois quand on s'est parlé là, pour moi euh, un de mes rêves, euh, mes plus grands rêves, là, ce serait vraiment que euh, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu scolaire, il y ait vraiment des cours, des formations euh, données euh, aux jeunes le plus tôt possible en fait sur la connaissance de soi. L'intelligence relationnelle, émotionnelle. Tu sais, en fait, donner l'opportunité aux jeunes le plus tôt possible de se connaître, de se comprendre, d'avoir des outils, des ressources. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir ça très tôt dans ma vie, comme je l'ai dit, puis je le sais que c'est ça qui fait la différence. Tu sais, parce que, en fait, le leadership, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est le fait de se prendre en charge, de se responsabiliser, de, de prendre des décisions pour soi, d'avoir confiance. Tu sais, c et ça, ça passe à travers des outils, des ressources, une connaissance de soi, une compréhension de soi et de l'autre, parce que le leadership c'est aussi de s'adapter à notre environnement, s'adapter aux situations, arrêter de subir les choses, mais plutôt les prendre en charge. Donc pour moi, de, de mettre ça en place là. Euh, dans les écoles secondaires, puis que ce soit quelque chose de formel, là, dans le calendrier, dans l'horaire des jeunes, que ce soit quelque chose qui est valorisé, qui est important. Pour vrai, c'est une mission que j'ai, puis pour moi, ça, ça ferait une méga différence dans notre société, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le fais, ça, mais avec des adultes, puis je le sais que si j'avais rencontré ces gens-là plus tôt, ben l'impact aurait été plus tôt, aurait été plus grand. Donc, ça, ça ferait une très, très grande différence, j'en suis convaincue. C'est clair que de se connaître, nous personnellement, ça nous permet après d'aller voir les autres, puis de développer éventuellement des des compétences pour devenir leader. Merci Roxane. Euh, J'aimerais ça qu'on remette à l'écran les, les réponses qu'on a eues au sondage un peu plus tôt. Puis, c'est drôle, les mots là, qui sont en plus gros, c'est ce qui est ressorti le plus souvent. Euh, le mentorat, la confiance en soi, l'ouverture, il y a vraiment des liens à faire avec les réponses que vous nous avez données un peu plus tôt. Euh, la communication, euh, merci à tout le monde qui a, qui a participé. Je crois que c'est tous des, des éléments qu'on peut nous-mêmes adopter pour favoriser l'avancement des, des filles et des femmes dans des positions de leader. and um Il y aura plein de liens à faire avec ces réponses-là, mais merci d'avoir euh, participé en grand nombre. Maintenant, j'aimerais qu'on passe. On a effleuré le sujet là, de la question de genre dans le leadership. On sait que ce n'est pas justement une question de genre, le leadership, mais quand on regarde certaines statistiques, on voit qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans des positions de leader. J'ai d'ailleurs une bonne statistique, deux en fait, pour vous aujourd'hui. Euh, on sait qu'il y a 22 des femmes qui sont entraîneurs. Et quand on regarde au niveau des conseils d'administration, D'organismes en sport, en plein air ou en loisir. mais ben là, on monte à 28 ce qui n'est pas significatif du tout. Euh, c'est quand même des statistiques qui sont assez marquantes. Euh, selon vous, les panélistes, c'est quoi qui, qui explique ces statistiques-là? Puis comment on peut faire pour contribuer à changer ces, ces données-là? Ben, je Alexis. pense que la première. Ah. Alex, tu voulais y aller, non? Oh, allez-y, allez-y. <laughs> ah, ah, J'y vais, Annabelle. Bon, désolé pour euh, avoir mm -hmm. marché sur ta voix, mais euh, moi, je trouve qu'on doit envoyer des messages clairs, c'est-à-dire que chaque institution, chaque entreprise, là, on parle de, du pourcentage de coach à 22% féminine, 28% sur les entreprises. Et je pense euh, qu'il est essentiel aujourd'hui que le discours soit très, euh, très clairvoyant vis-à-vis -vis du public euh, cible, donc des femmes, que les entreprises puissent communiquer sur l'envie de valoriser, d'incorporer et d'inclure euh, les compétences féminines pour aller euh, vers le développement de leur entreprise, développer euh, des, des idées différentes parce qu'on sait que ben, les hommes et les femmes pensent différemment ou euh, ont un même objectif mais vont l'approcher euh, de façon différente avec des problématiques ou des solutions ou des interrogations différentes. Et je pense que ça, ça passe par, là, par le premier message de on est inclusif, on veut. Euh, Qu'il y ait plus de femmes dans nos, dans nos CA. Euh, et une fois encore, euh, le genre, si la femme est compétente, mais allons-y, allons-y. Nous, moi, je prends une petite anecdote. Un jour, euh, en France, euh, on avait, euh, on avait euh, la volonté de passer que des arbitres féminines euh, au niveau de, du championnat de France. On l'a fait. On a fait 100% féminin. Mais malheureusement, la qualité au niveau de l'arbitrage s'en est ressorti Donc, ce qu'on a appris et ce que la fédération a appris, c'était on féminiser, oui, mais féminiser avec les compétences. Donc, aujourd'hui, ce serait, ce serait ça le message. Moi, j'ai ce message-là qui est clair et, très, et précis. C'est le, le d'être capable d'ouvrir ses portes et puis d'accompagner à la formation. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre ben, en fait. Euh pour revenir à, à, à ce qu'on disait, moi, j'œuvre je, je, beaucoup dans le, dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai eu la chance d'être entraîneur tant au niveau féminin et masculin. Et c'est sûr que euh, euh, la femme est de, 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 de nature un petit peu plus calculée euh, et avoir le, le complexe de, le, le, comment dirais-je, le, le, le complexe d'un imposteur plus facilement. qui fait en sorte qu'elle peut avoir toutes les compétences du monde, mais non pas nécessairement la confiance pour pouvoir le faire. Donc, c'est là que euh, pour moi, c'est important de mettre en lumière euh, les femmes qui l'ont fait, euh, de mettre en lumière, tantôt, euh, ma, ma, ma collègue Roxane parlait d'un programme de leadership. Moi, je rentre beaucoup un petit peu de l'entrepreneuriat, même si pour pas que les gens deviennent seulement entrepreneurs, mais juste de prendre l'habitude de prendre une action vers l'avant. Et, et, et j'aime dire que nous sommes tous entrepreneurs de notre propre vie. Donc, si euh, on est en mesure de mettre l'accent là-dessus dès le jeune âge, à, à comprendre le fait de, bon, ben on, veut, on veut essayer de faire quelque chose, faut faire, il faut prendre un, un risque, des risques qui sont calculés, mais d'aller à l'avant-plan et d'essayer. Puis si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que euh, euh, je ne suis pas une personne qui est vraiment un fan des quotas, parce que les quotas, on, on, on est... Euh, ça rentre... Euh, c'est ça peut jouer sur une zone grise au niveau de la compétence mais d'encourager d'inspirer de, de faire en sorte de, de mettre beaucoup de lumière sur les femmes qui le font. Euh, moi, je, moi je fais ce que je peux avec mes moyens je veux dire avec mes, mes événements et, et j'essaye de, de faire du du, uh, du empowering. Je ne connais pas comment le terme en français, mais bref, euh, pour, euh, pour mes, mes athlètes, mes jeunes femmes. Euh, mais c'est une, une, une action parmi tant d'autres, juste pour que euh, des femmes puissent se mettre en avant-plan et savoir qu'elles sont capables de faire. Et d'ailleurs, je vous fais une petite anecdote vite fait. Euh, moi, j'ai une, une ancienne athlète qui est devenue entraîneur avec moi cette année. Euh, puis ça a été un processus pour la convaincre. Euh, dire, le processus était pas mal plus que. Euh, comme moteur diesel, comme moteur normal. Là. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps pour qu'elle accepte de venir s'entraîner avec moi parce qu'elle avait peur de, de, ne pas être, de ne pas avoir toute cette compétence-là ou d'avoir toute cette crédibilité-là. Et puis, du moment qu'elle a embarqué dedans, elle était un petit peu timide et tout ça. Et maintenant, c'est une euh, entraîneur qui est très, très, très appréciée de mon staff et même de, de l'école en conséquence. Puis, c'était juste de la mettre en confiance et de lui dire, vas-y, tu capable. Puis là, maintenant, bon, justement, elle run le show, là, puis je suis bien content avec ça, parce que ça, ça m'enlève beaucoup aussi sur les, sur les épaules. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que de pouvoir essayer de mettre à l'avant-plan euh, et aussi de, 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 de voir les gens vraiment dans la. Dans, de mettre l'humain et les compétences à l'avant-plan. C'est souvent ça que je pense que même des homologues hommes peuvent avoir la difficulté de faire, euh, parce que de nature, je vais vous faire une, une annonce officielle, si vous ne le saviez pas, je pense que les hommes, on est plus sensibles. Euh, mais on a plus de difficultés à vulgariser un petit peu nos, 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 nos émotions donc ça fait en sorte qu'on réagit des fois un peu que de manière compliquée mais c'est simplement de pouvoir de garder l'humain à l'avant-plan et de ne pas se mettre dans une optique comparative parce que c'est une optique d'une femme ou d'un homme ou de whatever c'est plus dans une optique d'une compétence et, et de mettre plus à l'avant-plan l'inspiration que la comparaison Merci, euh, merci Alexandre. C'est drôle, de vous parlez beaucoup de compétences, Roxane. Je vois qu'il y en a plein qui, qui sont d'accord dans le chat, qui parlent de la connaissance de soi et mm. du développement personnel qui devrait être au cœur dès l'enfance du développement. Euh, Roxane, je sais que Complex X propose un programme de formation euh, sur le leadership féminin. Est-ce que selon toi, les styles de leadership féminin et masculin sont différents? Puis si oui, c'est quoi les avantages ou inconvénients à proposer un type de leadership euh, différent? Mm -hmm. En fait, euh, c'est toujours délicat hein, quand on parle de leadership féminin, leadership masculin. En fait, c'est pour moi, peu importe qui on est puis le genre qu'on a, c'est on parle de, de style, d'énergie. On va se le dire, il y a quand même des différences entre un homme et une femme. Mais ce qui est super important, puis nous, ce qu'on veut véhiculer de un, on veut démontrer que le leadership, c'est pour tout le monde. Le leadership, c'est des qualités humaines, c'est des attitudes. Comme je l'ai dit, c'est le fait d'expérimenter euh, des, des choses, d'influencer de, notre environnement, tout ça. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on doit à un certain moment s'adapter dans nos styles de leadership. Euh, donc, autant une femme, comme on disait, oui, les femmes ont des qualités un peu plus euh, humaines de type bienveillance, empathie, l'écoute naturellement. Mais comme Alexandre vient de le dire, les hommes aussi les en l'idée là qu'on soit un homme ou une femme c'est qu'on doit développer les deux styles de leadership fait que le, le leadership un peu plus de type masculin euh, tu va être un leadership un peu plus directif de performance axé sur les objectifs euh, un peu plus compétitif tout ça mais qu'on soit un homme ou une femme on doit à un moment donné développer les deux puis tu quand je m'adresse aux femmes c'est ça que je leur dis d'un les qualités que vous avez comme femme faut les mettre de l'avant c'est vraiment des grandes forces qu'on a parce qu'aujourd'hui dans le monde du leadership euh, c'est valoriser ça. On veut des gens bienveillants, on veut des gens à l'écoute, on veut des gens qui vont, euh, qui vont collaborer, qui vont être empathiques, qui vont comprendre l'autre, qui vont être plus euh, collés aux émotions. Fait que ça, les femmes, on a ça un peu plus naturellement. Euh, par contre, je leur dis aux femmes aussi, puis je dis aux hommes, tu sais, développer votre côté un peu plus empathique, bienveillant, tu sais, comme Alexandre disait, allez toucher à ce volet-là que vous n'êtes pas habitué de faire quand vous devez y aller. C'est ça qui est important, s'adapter pour influencer. Puis les femmes, je leur dis, ben écoutez, euh, mesdames, justement, tu sais, prenons notre place, euh, soyons justement euh, capables de mettre notre pied à terre, euh, de, de mettre cette, cette force-là de l'avant, de mettre nos limites, de s'affirmer, de prendre une place, une grande Place d'influencer, donc un, un style un peu plus directif, comme je disais, un petit peu plus. Euh de type masculin. Fait que pour moi, là, les deux sont importants. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a simplement des qualités humaines à développer d'un côté comme de l'autre pour s'adapter, être flexible dans notre environnement, se responsabiliser. Moi, j'aime beaucoup amener la notion de responsabilisation dans les deux chiffres, c'est-à-dire je suis responsable de mes actions, de mes actes. Euh, je ne peux pas attendre après rien ni personne pour avancer. Euh, C'est de cette façon-là que je peux influencer. C'est pour ça qu'on euh, fait toujours attention quand on parle des, des deux styles mais c'est vraiment dans des qualités, dans des façons d'être dans une énergie, simplement. Intéressant fait que ce serait pas une question de genre mais en fait ce serait vraiment une complémentarité entre les deux types de leadership qui fait, fait que et la capacité d'adaptation qui permet d'utiliser les bons types de leadership au bon moment. Merci, Roxane. Euh, on a discuté bon, des conditions favorables au leadership, des compétences à développer, de la question de genre aussi. C'est clair qu'il reste du chemin à faire. On l'a bien vu euh, avec nos échanges pour atteindre l'équité euh, au sein des postes décisionnels dans le domaine du sport, de l'activité physique et du plein air. Mais c'est quoi, selon vous, les gestes clés ou les facteurs facilitants pour convaincre les femmes de se lancer parce que les femmes ont aussi leur place, finalement. Dédramatiser. Oh, Marinette, vas-y. <laughs> Dédramatiser. Il faut qu'on dédramatise les postes mmh. à responsabilité parce que souvent, on a peur, on s'effraie euh, seul. Avant même de savoir quelle est la charge de travail que ça représente, les engagements que ça nécessite, on, on se projette déjà. Est-ce que ça va avoir un, un impact sur notre vie euh, personnelle Est-ce qu'on va être capable de sortir de cette zone de confort qui est la routine qu'on arrive à, à, à mener euh, et à mener euh, à bien à chaque jour Donc, c'est ça, c'est la bienveillance, je pense, de, de dire oui, je peux, je peux m'essayer. Est-ce que je vais réussir à 100% Peut-être pas, mais est-ce que je vais réussir à 80% 90%, ben ce sera déjà un grand gap entre les, entre les deux. Et puis, c'est d'avoir confiance en soi. Euh, et, et on l'a dit, et ça, c'est des, des mots clés, et on l'a eu sur le, le retour de, des différents participants, la confiance, l'écoute, l'engagement, la bienveillance. Et, et, et je crois que tous ces mots, tous ces éléments font qu'à un moment donné, on doit avoir confiance et que ces femmes doivent avoir confiance en elles pour devenir. On est tous quelque part leaders. Les femmes sont leaders chez, chez elles, là. rien que dans la gestion, euh, je dis pas que c'est la majorité, pas enfin le 100%, mais je pense que c'est une majorité de, de femmes qui gèrent le foyer familial, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent d'organiser euh, les sessions. Donc il y a déjà quelque part une responsabilité de leader qui est dans le milieu familial. Donc après, c'est de sortir de ce, de, de, de ce contexte pour aller. Euh, se tenter à d'autres à d'autres perspectives sur des postes notamment décisionnels. Je vais je vais renchérir sur ce que tu dis Marinette tu sais, pour moi c'est vraiment un changement de perception je pense que les femmes, entre autres, doivent changer leur perception de ce que c'est le leadership. Le parce que souvent on me dit, écoute Roxane, moi j'ai pas de leadership, j'ai pas la personnalité pour ça. C'est tu sais, pour moi le leadership justement c'est un, un leadership affirmé, directif, courageux. Moi j'ai peur de parler, j'ai peur de prendre des décisions. Puis en fait ce que je leur dis, le leadership c'est pas que ça. Le leadership c'est pas parler plus fort que tout le monde, c'est pas prendre la place de tout le monde, c'est pas d'être la première sur sur la place publique. C'est c'est pas ça. Tu sais c'est c'est justement à travers des, des façons d'être, on en a parlé, de bienveillance, d'attitude positive, d'influence, de communication. Puis, mais oui, à un moment donné, il faut aller, comme je disais tantôt, dans un style un peu plus directif, prendre sa place, être courageuse, mais ce n'est pas que ça. Donc, je pense qu'il euh, y a encore du travail à faire, mais ça passe à travers la perception de ce que c'est le leadership, de comment on peut influencer euh, notre environnement, puis créer des opportunités euh, pour que les femmes puissent expérimenter des réalités différentes. Les mettre dans des positions dans des, qui sont en dehors de leur zone de confort, dans lesquelles ils ne sont pas habitués, mais pour qu'elles découvrent que, waouh, on est capable. Tu sais, quand justement on, on se met dans, dans une zone où est-ce qu'on n'est pas confortable, euh, qu'on peut évoluer. Moi, je dis toujours que ce n'est pas dans la zone de confort qu'on peut grandir, évoluer. C'est correct de rester dans notre zone de confort. J'aime ça des fois aussi, juste d'être bien dans ce que je fais. Mais c'est quand on sort de cette zone-là qu'on peut expérimenter d'autres réalités puis voir concrètement euh, ce qu'on Convaincre que finalement on est capable de faire les choses différemment, de prendre des décisions, puis d'influencer. Puis oui, euh, l'influence, le leadership, ce n'est pas juste dans le milieu professionnel, c'est à la maison, c'est dans ma communauté, c'est avec mes amis, c'est avec mon entourage, c'est partout. Donc, euh, je pense que c'est ça que les femmes doivent comprendre. Puis je vais finir en disant que oui, il y a des études qui prouvent que la charge mentale est plus élevée chez les femmes parce que oui, elles prennent en charge souvent le foyer, la maison. Puis ce n'est pas, pas comme ça partout, mais il y a des études qu'ils prouvent. Donc, moi, ce que je leur disais, c'est parce qu'on a quand même des qualités qui viennent avec cette charge-là. Et donc, ces qualités-là, on peut les transposer dans le leadership. Donc, euh, voilà, moi, je pense que c'est là qu'on peut faire euh, une différence. Euh, ben, si je peux euh, suivre dans, dans la veine de mes, de mes, de mes collègues, euh, ben, j'irai au fond dans l'optique de, de déconstruire le statu quo euh, du modèle de la femme à la Quaker. Euh, mais c'est pas seulement au niveau des hommes c'est aussi, au, aussi au niveau de certaines femmes aussi également, de pouvoir créer cette solidarité-là euh, pour, pour pouvoir euh, justement supporter se mettre à l'avant-plan et s'encourager et aussi de voir, de mettre leur fond parce qu'on on parle de la cause on, on parle de la cause de la, de la femme et puis plusieurs se sentent concernés, c'est pas tout le monde qui va se sentir concerné, et ça c'est la réalité et ce qui fait en sorte que si on est en mesure de de, de rentrer les gens dans la conversation, dans, la, dans, 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 dans cette optique de comprendre ça, ça fait en sorte que tout le monde va être en mesure, bah tout le monde, ça je parle dans un point de vue, vous voyez, j'ai un côté un petit peu optimiste chez moi, euh, mais de, 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 de réagir à certaines formes de misogynie, de réagir à certaines formes de, de réaction, euh, même en venant des femmes. Et puis, je trouvais ça intéressant euh, quand je faisais un événement qui s'appelait L.E. Sport et j'avais une reporter euh, qui me racontait que des fois, c'est plus gros bâton dans les roues n'est principalement des femmes, ce que je trouve un peu euh, paradoxal et particulier. Donc, c'est vraiment de pouvoir saluer le courage, saluer le, le, le fait de se mettre à l'avant-plan euh, et de pouvoir justement l'encourager et de savoir qu'est-ce qui est le. De, aussi d'aider, de, 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 mettre, de mettre en lumière le fait qu'une personne ait essayé. Et c'est ce qui fait en sorte que d'autres vont dire OK, ben, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a fait, ben, je vais m'essayer aussi et que justement, que ce ne soient pas des approches uniques, que ce soit des approches qui inspirent d'autres à le faire le plus souvent. Et surtout, tu sais, je peux parler au niveau du sport, même au niveau entrepreneur, mais plus au niveau du sport, mais les joueuses qu'ils ont joué ou des athlètes qu'ils ont joué plus longtemps, c'est à elles qu'il faut aller les parler directement. Dès que tu vois qu'elles ont une forme de leadership, quoi que ce soit, hé, hey, ça tente-tu d'être entraîneur, ça tente-tu d'être impliqué, ça tente-tu et de le voir et de le cerner, parce qu'à la fin, c'est elles qui vont être les meilleurs porte-parole, qui vont faire en sorte d'ouvrir l'horizon pour d'autres, qui vont... Euh, que peut-être qu'ils ont un peu moins le, 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 le courage de pouvoir sauter là-dedans, mais qu'ils vont voir plusieurs pères et plusieurs semblables. C'est toujours ça. À chaque fois qu'on va voir des pères et des semblables le faire, c'est là qu'on se sent plus influencé plus, euh, plus positivement pour pouvoir aller vers l'avant. Ouais, les modèles, on a besoin de modèles dans tous les secteurs de vie. Les, les, les modèles nous ont inspirés, nous inspirent encore. On inspire à travers nos actions. Et, et je pense que c'est ça, en fait, le, le lien c'est qu'on a besoin de modèles dans tous les secteurs de, de, de la vie, au final. C'est exactement, a... exactement ça, ma prochaine question. La, la notion du modèle féminin, j'aimerais ça qu'on qu l'aborde un peu. Euh, J'ai d'autres statistiques pour vous. Il y a 35 000 heures d'émissions sportives qui sont diffusées en 2014. Puis, dans ces 35 000 heures-là, il y a seulement 4 qui portent sur des sports féminins. Euh, vous l'avez nommé un peu, mais la visibilité qui est faite aux femmes fait probablement partie de la solution. Euh, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses comme homme allié? <laughs> bah, ben ça Tout est là. Il euh, a pas de il n'y a pas de euh, je veux dire, on va, on va se mettre d'accord, le sport féminin est intéressant. Il est intéressant. Euh, il y a du jeu et ça je pense dans tous les sports moi je suis un fan que ce soit au foot au basket au hockey euh, c'est intéressant parce que souvent quand tu vas amener un homme le plus macho qui peut être dans un dans une compétition au niveau ou dans une compétition de femmes il y a toujours un commentaire qui va dire oh je pensais pas que c'était comme ça oh ça joue rough oh c'est je, 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 je ne voyais pas ça comme ça mais ça c'est pourquoi c'est parce que Étant plus jeune, plus petit, on nous a informé, on nous a mis un peu dans notre tête que c'était moins intéressant. Mais le sport d'aujourd'hui, moi, j'aime bien dire la blague. Je fais un événement qui s'appelle Patrice Bernet-Samy, un petit match de célébrité et de personnalité que euh, Marinette a la chance de, de, de jouer, de participer. Et je peux vous dire, Marinette, j'ai deux, deux, deux euh, situations avec elle. C'est soit on est ensemble dans la même équipe, ou soit quand elle est sur le terrain puis je joue contre elle, je suis sur le banc. Pourquoi? Parce qu'elle va me faire mal paraître. Mais bon, il y a quand même ma famille qui vient me voir ça, donc je n'ai pas envie qu'on me voie dans, dans des situations comme ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, puis je donne un exemple, si vous pouvez voir un petit peu, euh, euh, au, au, si on peut vraiment voir, prendre le temps de voir le sport féminin, moi, je m'enjaille en étant entraîneur. Et je m'enjaille parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça tactique, on voit l'intelligence de jeu, justement. Et c'est simplement une question, ben, en fait, une question de visibilité et d'investissement. Et on parle d'un courage d'investissement. Après, il faut avoir une personne, deux personnes, trois personnes, il faut avoir un groupe qui va dire, tu sais quoi, on se lance. Puis vas-y, on est derrière. Chose qu'on a commencé à faire aux États-Unis beaucoup. C'est pour ça qu'il y a la WNBA, il y a la Ligue professionnelle. Tu sais, il, y une, il y a une idéologie à mettre de l'argent derrière le sport qu'on a un peu moins ici. Mais dès qu'on on a des hommes d'affaires ici, des femmes d'affaires, il y a de l'argent qui est là. Mais il faut juste avoir le courage de pouvoir le mettre. Et c'est ce qui va attirer. Parce qu'à la fin de la journée, si je parle seulement au soccer, par exemple... C'est 50 voire même presque un peu plus, qui jouent au soccer. Et c'est elles qui ont porté, par exemple, le Canada euh, au standard euh, de qualité au niveau mondial versus les hommes. Euh, et même là, ils sont en train de redescendre, tandis que les femmes restent au top. Donc c'est simplement une question de, de visibilité et de courage d'investissement. Qu'en pensez-vous, euh, Roxane ou Marinette? Tu veux y aller, Roxane? Ou tu... Non, <laughs> vas-y, Marinette. Okay. Moi, alors moi, je prends, j'ai toujours mon petit stylo, puis je prends mes notes. J'ai noté, du coup, quatre points. Ouais, je le fais à chaque fois, mais c'est idiot. Mais une première des choses, que je rejoins c'est une question de conviction, conviction de personne, pour avoir envie pour quelqu'un qui puisse euh, venir euh, bousculer, enfoncer des portes et dire Moi, je veux diffuser. Je veux, à un moment donné, qu'on diffuse euh, du sport féminin, qu'on ait une reconnaissance. Pourquoi Pour briser des stéréotypes. Parce que ces stéréotypes, comme le disait Alex, Dès le plus jeune âge, on nous dit le, le soccer c'est pour les garçons, euh, le basket et la danse, euh, enfin le, la, la danse du moins c'est pour les filles. Et c'est vrai euh, qu'on a cette formation euh, psychologique, on est formaté dès la base sur ce qui est réservé aux hommes, ce qui est réservé aux femmes. Alors qu'au final, si on prend tous les sports, tous les sports sont praticables et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec la boxe, avec la la, le, le MMA ou autre, c'est des, 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 des sports qui à la base étaient dédiés aux hommes et qui sont devenus euh, euh, ben voilà, euh, pratiqués et, et effectués par des femmes. Et puis, il y a l'économie. Euh, l'économie, c'est mettre de l'argent en, en se disant peut-être que je vais perdre de l'argent et que ça va être à perte. Mais dans tout projet de base, dans tous les projets qu'on a pu construire, qu'on a pu voir, les grands projets, les plus petits projets, il y a toujours un moment donné où tu as cette incertitude. Euh, financière de dire est-ce que oui, je vais oui. atteindre mon objectif ou pas donc ça c'est ça c'est important d'avoir des gens qui se disent ok peut-être que la première année deuxième année je vais pas rentrer dans mon dans mes euh, dans mon euh, ma projection euh, euh, budgétaire mais en tout cas je vais impulser quelque chose et puis après il y a euh, ce côté où on a besoin de créer d'offrir des modèles à ce public féminin plus jeune pour se dire bah, voilà en effet on a on a besoin de de voir des jeunes basketteuses, des footballeuses euh, des hockeyeuses de plus en plus parce que ces valeurs qu'elles véhiculent sur euh, leur sport, à travers le sport et sur leurs différents terrains nous servent au quotidien et qu'on s'approprie un petit peu, donc ça c'est pour moi c'est important de créer ce, ce, ce lien avec le, le public dans les stades à travers ces différents points et pour moi aujourd'hui c'est Essentiel. On est en retard par rapport à, certaines, à certains pays, mais c'est la clé si on veut avancer. C'est mon point de vue. Hein. Tu peux rebondir à l'intérieur <laughs> du pied, Roxane. Tu peux faire contrôle <laughs> pied-droit, pied-gauche, comme tu veux. On y va. Ben, en fait, moi, j'ai juste envie de dire que ça part. De, des décisions que, que chaque individu doit prendre, tu sais. Euh, on parle d'investissement, c'est ça, c'est tout part d'une décision. Euh, on ne peut pas toujours attendre à ce que, ce que les choses se fassent euh, à l'extérieur de nous. Euh, ça prend des gens qui prennent des décisions, qui se mettent en action, euh, puis oui, des modèles, c'est super important d'avoir des gens euh, sur qui on peut euh, s'inspirer, qui soient des exemples, des modèles dans notre entourage, tu sais, avoir euh, plus de, de justement, de, de ces gens-là autour qui vont faire une grande différence. Mais je, je fais un petit parallèle avec euh, au niveau du leadership, plus au niveau des organisations. Il y a 83 des entreprises qui considèrent le leadership comme étant hyper important dans leur entreprise, comme étant vraiment essentiel à développer. Mais il y a juste 5 des entreprises qui vont investir dans le développement du leadership. Fait, un peu comme ce que tu disais, Marinette, à un moment donné, il faut prendre un risque. C'est des risques calculés. T'sais, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. T'sais. Moi, je suis un peu allergique à ça. Là. Euh, donc, à un moment donné, c'est ça. Il faut prendre position, il faut se responsabiliser chacun individuellement pour avoir un, un impact collectif. Ça euh, part de soi. C'est comme ça qu'on peut rayonner. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai envie de, de rajouter euh, avec, euh, avec mes deux collègues. Merci beaucoup. Euh, je pense que cette notion-là de modèle elle est tellement importante. Puis je vous entendais parler, puis ça me faisait penser à, à ma propre histoire. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'expédition, je me disais, est-ce qu'il y en a des modèles au féminin qui partent à l'aventure? Puis c'est beaucoup des modèles masculins. Puis je pense que c'est en ayant eu très peu, là, mais quelques modèles féminins comme Mylène Paquette, entre autres, que je me suis mm. dit, ah, ben je peux moi aussi. Fait que, des fois, on ne sent pas une différence euh, sur le coup, là, mais plus il y en a, puis plus euh, ça va faire un effet d'entraînement. Donc, euh, merci à vous trois pour, euh, pour vo vos partages. On arrive à la fin du webinaire, puis il y a eu quelques questions qui ont été posées lors des inscriptions. Donc, j'aimerais ça vous entendre euh, sur, euh, sur ces questions-là. Puis, en même temps, s'il y en a déjà qui, qui a des questions qui ont émergé pendant la, la présentation, vous pouvez les, les inscrire dans le chat. On a une dizaine de minutes ensemble pour... Euh, pour répondre à ces questions-là. Puis tout de suite, je vous lance la première. Quels sont les freins ou les résistances les plus difficiles à briser pour que les femmes puissent s'émanciper pleinement dans les secteurs du sport, du plein air et l'activité physique? On a juste 10 minutes. <rire> <rire> en fait... Puis, tu sais, je, je, ça, on parle des femmes, mais moi, je vais parler des individus de façon générale, là, parce que le leadership, la place qu'on prend, la confiance qu'on a, c'est, pour tout le monde. Je pense que le plus gros frein, ben, c'est nous. Euh, fait que je reviens à ce que je disais au départ, tu sais, euh, l'importance de se connaître, l'importance de se comprendre, l'importance d'avoir les bons outils, les bonnes ressources rapidement, très tôt. Euh, d'avoir les bonnes personnes autour. Euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui, qui ça qui nous limite, c'est ça qui nous freine. Puis pour moi, peut-être que je suis utopique, mais ce serait tellement facile d'en faire plus de ça, parce que je voyais dans, dans le chat, oui, il y a des initiatives, il y a des organismes qui offrent des formations. Il y a, oui, à, dans certaines écoles, il y, a, il y en a des ateliers, puis tout ça mais c'est quelque chose de vraiment plus formel, là, de... de vraiment qui est là, qui fait partie du programme éducatif. Bref. Donc, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est comme ça qu'on peut briser ces limites-là, ces barrières-là. Ici, individuellement, euh, il y a, on a envie de le faire, mais que notre organisme est plus ou moins partant, comment on fait pour motiver l'organisme à pousser, à mettre de l'avant, dans le fond, le, le volet féminin? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est de se dire qu'il y a quand même une possibilité de, de plus-value, d'amener un regard innovant, d'amener des idées, des idées différentes, d'amener de la stimulation. Est-ce qu'on a besoin de challenger dans la vie Parce que sinon, bah, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, bah, on n'avance pas et, et on n'a plus de, de réelle satisfaction. Donc le côté challenge, il est hyper important. Et puis de se dire que pour un, un organisme, de pouvoir rayonner sur son territoire et de d'être inclusif, pour moi, c'est essentiel. Donc, c'est d'ouvrir, on en revient au discours euh, d'inclusion, d'inclusivité, où on veut tout le monde, où on veut que tout le monde soit partie prenante d'un projet, d'un projet d'animer le territoire, de rassembler, de lutter contre euh, certaines formes de discrimination aussi. Et je pense que c'est ce qu'on doit comprendre à travers les organismes, c'est quelle va être la plus-value, quelles vont être les retombées positives en ouvrant en étant euh, bienveillant vis-à-vis -vis du public cible. Si je peux ajouter un petit quelque chose là juste <laughs> rapidement, je pense qu'il faut oser faire les choses différemment. Il faut oser innover, être créatif dans nos approches, dans nos façons de faire. Euh, je pense qu'il faut ouvrir notre esprit. J'ai dit souvent que l'esprit, c'est comme un parachute. Ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Donc, mm -hmm. euh, pour les organismes, tu sais, tout ça, c'est ça. C'est pas parce que vous l'avez jamais fait que vous pouvez pas le faire. Moi, je, je, je prône vraiment ça. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait, on devrait le faire. Puis c'est là qu'on va avoir des, des résultats extraordinaires. J'aime beaucoup le parachute. Hein. C'est drôle, hein, mais c'est vraiment ah ça. Ouais, mais... <laughs> ouais, Donc, je me donne le défi de, de l'utiliser aujourd'hui. Euh, euh, <laughs> je mais, te la laisse. Juste pour ajouter, euh, je pense que c'est important de mettre, oui, de mettre tu des modèles, des femmes à l'avant-plan, mais c'est important de mettre même de la diversité dans ces femmes aussi. Euh, euh, et, et, je veux dire, tout le monde doit se sentir représenté, euh, que ce soit femme X, euh, femme euh, Caucasiennes, afro euh, africaine, africaines, euh, latinas, de partout, c'est important de, aussi, euh, aussi de trouver une manière de les mettre en valeur parce que ça peut être des portes-étendards pour certaines, euh, certaines situations que qui a encore plus de difficultés à mettre des femmes à l'avant-plan, euh, du, du, surtout au niveau du sport. Donc, euh, c'est important de, oui, mettre les femmes, mais, non, mais de ne pas juste mettre Impossible de mettre une femme point. Donc, il faut en mettre plusieurs pour sentir que tout le monde se sente euh, tout le monde se sente concerné par la par la situation et par la par la, la, la cause, en fait. Merci d'amener cette précision-là sur la diversité des femmes. C'est super, super intéressant. Euh, n'hésitez pas à mettre vos questions, les auditeurs, dans le chat. J'en ai pas vu pour l'instant, fait que je continue, mais n'hésitez pas à, à poser, peu importe la question. Elles sont toutes bonnes. Euh, J'en ai une ici. En fait. Oui, ah, oui vas-y. Vas Vas-y, non, non, parce qu'il y en a, il y a moi, j'en vois de Michel, ah. notamment, euh, avec, euh, je, je la lis, du coup, Annabelle, hein, je vais Après, faire un peu ton job, mais c'est correct, okay. avec cette vision audacieuse et innovante du leadership, comment percevez-vous les rôles de leader traditionnel, de capitaine et assistante, puisqu'il y a l'écriture inclusive, c'est bien Michel, dans le sport Allez, qui se lance Roxane, euh, Alex tu vois, le leadership, là marinette a pris le, a pris le lead. <laughs> euh, euh, ben enfin, en fait, je, je vais je veux y aller simplement en disant que euh, même en termes de capitaine ou assistant capitaine, moi, j'ai l'habitude de mettre tout le monde concerné et de mettre qu'il y a une personne qui a une tâche plus compliquée de vous représenter, mais elle est une membre à part entière dans un leadership, surtout dans le monde comme, un, un, que ce soit le soccer que ce soit le foot, que ce soit le basket, ben, un, 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 euh, un athlète est un par sur cinq sur le terrain ou un sur onze. Donc, tu dois responsabiliser tous les athlètes et même ceux qui sont sur le banc doivent être responsabilisés. Donc, je pense que ce leadership-là doit être, doit être euh, comment dirais-je, euh, euh, envoyé ou du moins partagé. Euh, pour que ça soit un leadership collectif, pour que tout le monde se sente concerné, que tout le monde sente que peut prendre la parole à un certain moment et mettre à l'avant-plan. Euh, je pense que c'est une hiérarchie qui doit être un petit peu plus horizontale à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a une représentante, ça c'est un peu comme tout, mais si on met ça à l'avant-plan, ben, tout le monde, tout le monde euh, à ce moment-là, il y a des, des opinions de diverses, parce qu'on parle à, à l'avant-plan de mettre des femmes, mais peut-être qu'il peut n'y a pas toutes les femmes qui pensent pareil. Donc, de mettre à l'avant-plan ce, ce leadership-là à responsabiliser le groupe, pour que tout le monde se sente leader, mais qu'il y en a peut-être une qui se démarque simplement parce que elle, elle est représentante des autres. J'adore ce que tu dis, Alexandre, parce que moi, je travaille beaucoup le leadership collaboratif. C'est pas l'histoire d'une personne, c'est pas l'histoire d'un rôle, d'un statut. Le leadership collaboratif, c'est tout le monde. C'est qu'est-ce que chacun d'entre nous, on peut faire pour s'influencer mutuellement puis avoir des résultats collectifs. Donc, j'aborde vraiment dans le même sens que toi, vraiment. Ben, je, je peux peut-être aller avec la deuxième question, là, vu que je ne pense pas. Est-ce que Annabelle, tu les vois? Oui, là, je les vois, mais vas-y, t'es bien parti. On a quelques minutes, fait peut-être une, une petite réponse pour la, la question. Je, Je pose la question à, à mesdames, si vous me permettez. <laughs> si nous souhaitons s'éloigner des quotas ou des mesures traditionnelles de soutien et de réussite, que suggérez-vous comme mesure Wow! Euh, pas, pas, pas simple, parce que dès qu'on parle de quotas, dès qu'on parle de, de mesures, on a la sensation qu'on oblige bon, en fait, les gens et les personnes à agir dans le sens d'être inclusifs. Moi, j'ai, je, je, moi, si je prends mon exemple, moi, je déteste qu'on m'oblige à faire quelque chose. Je, je veux que ça vienne du fond du cœur. Si je suis là aujourd'hui, c'est juste parce que j'avais envie de partager ça avec vous tous, Roxane, Alex, Annabelle et, 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 juste, voilà, je, si j'ai une contrainte, ça va plus être la même chose. Donc, je serais plutôt d'être dans la relation participative, dans une approche participative, collaborative, comme le disait Roxane, pour, Aller sensibiliser les différentes. Euh, euh, déjà, enfin, on peut parler de fédérations, de clubs, d'entreprises, de, pour euh, savoir déjà s'ils ont une idée. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui sont intéressées Est-ce qu'ils ont euh, des, euh, euh, comment dire, des chartes de pré une ligne directrice Oui, non. Euh, comment ils se sentent par rapport à ça enfin, Moi, je serais dans l'échange, dans. Voilà, le ressenti, allons-y. Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose Est-ce qu'on a envie de tisser ce maillage euh, tout en étant inclusif et Quels sont nos objectifs après ça Parce qu'il y a, y a le moment du rassemblement, puis après, il y a le moment de définir l'échéancier, et puis on, on, ensuite, le moment délivrable. Donc, moi, je serais plus dans l'approche la euh, collaborative et participative que de dire. Regardez, on a pondu un article, une règle, un règlement, et si vous ne le respectez pas, vous serez sanctionné financièrement ou autrement. Moi, c'est comme ça que je l'envisagerais. Alors, c est, c est ça fait peut-être bisounours, mais c'est euh, comme ça que je l'envisagerais. Merci beaucoup, Marinette, pour euh, ta réponse. Euh, le webinaire retire à sa fin. J'aimerais ça vous remercier, vous, les trois panélistes qui avez été là et les auditeurs également. Euh, je, contacte, je constate qu'il y a plein d'autres questions. Là, j'y ai finalement accès. <laughs> euh, mais je vous invite à euh, l'élan, en fait, qui est un événement, le, le deux, la deuxième édition de l'élan. Puis ce sera peut-être une façon de continuer la discussion sur justement les questions qui viennent d'émerger euh, en espérant euh, vous revoir peut-être les panélistes à cet événement-là. Donc, ça va avoir lieu le 11 avril prochain à Montréal. Et euh, il y a une liste d'attente pour recevoir les inscriptions et le programme en primeur. Donc, vous pouvez euh, tout de suite aller vous inscrire pour faire partie de ce super événement-là. Puis, euh, il y a également un sondage sur le webinaire d'aujourd'hui. Euh, petite, euh, petit message en primeur. Là, il y aura des items promo de la lancée qui vont être tirés parmi les participants. Donc, euh, on vous invite à aller remplir le sondage. Puis, euh, c'est aussi une façon de justement euh, recueillir vos intérêts pour l'élan qui aura lieu le, le 11 avril. Donc, euh, c'est un deux en un, puis vous avez peut-être même une chance d'avoir un super outil la lancer. Donc, vous pouvez aller répondre au sondage. Puis, finalement, il y a la lettre ouverte qu'on vous invite à signer si ce n'est pas déjà fait. Vous la voyez à l'écran. Euh, c'est une façon, euh, en fait, c'est super simple là, puis c'est super rapide, mais ça fait toute la différence. Donc, euh, je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. C'était super euh, pertinent et nécessaire, je crois, comme webinaire. Puis, si vous voulez suivre la lancée, vous voyez les liens à l'écran. Et en espérant vous voir euh, qui c'est pour un prochain euh, webinaire. Merci tout le monde puis bonne, euh, bonne fin de journée. Merci. Merci. Beaucoup. C'était un plaisir de passer ce Vraiment. moment avec euh, vous, Roxane, Alex, Annabelle, Valérie, Louis, Justine, bref, et vous tous euh, présents. Passez une belle journée et mon conseil surtout, soyez vous-même parce que vous êtes tous des leaders quoi qu'il arrive. Merci à tout le monde.